m'appelle Agathe Pourcher, j'ai 20 ans. Je suis arrivée au laboratoire Cristal au mois de juin pour tout d'abord faire un stage de 2 mois. Apparemment, mon niveau était suffisant pour qu'ils aient envie de me garder aussi. Ils m'ont proposé une alternance que j'ai acceptée. Et à la suite de ça, j'ai été au PIB, aussi en CFAO, parce qu'on utilise beaucoup les logiciels pour les PIB. Alors, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai aidé pour la prothèse mobile, donc tout ce qui est appareil amovible, et en prothèse fixe, tout ce qui est implant, céramique, etc. Et depuis environ 2 mois, je suis avec Marion, qui s'occupe des All-On, donc c'est des appareils... En gros, c'est comme un dentier, mais au lieu qu'on puisse l'enlever, il est fixé sur des implants. Et moi, ça m'intéresse parce que justement, c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est mieux pour le confort du patient et ça a vocation à évoluer avec tout ce qui est CFAO, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais voir Marion, donc, qui est ma responsable. Elle me dit les travaux qu'on a reçus. Elle m'explique en quoi je pourrais l'aider et qu'est-ce qui est attendu de moi pour la journée. Et ensuite, on va en CFAO pour qu'elle m'apprenne à manier les logiciels qu'on utilise pour les barres implantaires qu'on fabrique sur les ordinateurs. Le relationnel avec le dentiste, parce que certes, on a des praticiens qui sont très gentils, etc., mais d'autres qui sont plus exigeants et des fois, ça peut être un peu tendu. L'autre difficulté aussi, c'est la fluctuation de notre travail, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être très surchargé, où il va falloir être vraiment à fond, et d'autres où on aura un peu moins de travail. Ce que j'apprécie particulièrement, du coup, c'est déjà la diversité, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire et qui sont très différentes, donc on n'a jamais une journée qui se ressemble, ce qui est vraiment intéressant. Et j'adore aussi le côté artistique de faire vraiment des sourires qui sont naturels, où on voit pas qu'on a un appareil, et de rendre le sourire aux gens tout simplement.